Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. S'il vous plaît, un peu de bruit, l'imam parle. Assalamu alaikum ou nos vrais chrétiens qui sont là, inshallah. Non. Alhamdulillah. Frères et sœurs, j'ai trois questions à vous poser. Donc, je demande d'abord à nous, exégètes, imam Ouattara et imam Diabaté, donc Abin Asradi. Alhamdulillah. Moussaz. Nam. J'aimerais qu'on me fasse la lecture de la Sourate 384. Sourate 3, verset 84, l'imam demande la lecture, s'il vous plaît. Nam. Dis, nous croyons en Allah, à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaïl, Isaac, Jacob, et les tribus, et à ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes, de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis. Merci. Alors, je comprends là que le verset interpelle tous les musulmans à croire à ces prophètes-là, je crois bien. Et aux livres qui ont été révélés par Allah. Maintenant, ce que je ne comprends pas, El Hadji, Djané et Ismaël, quand j'ai fait une comparaison avec le verset 2 de la sourate 2, verset 25, j'aimerais qu'on fasse cette lecture rapidement. Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront : c'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant. Or, c'est quelque chose de semblable, seulement dans la forme. Ils auront là des épouses pures et là ils demeureront éternellement. Alhamdulillah. Vous m'excusez toujours. J'aimerais que vous preniez dans Matthieu 22, 24 à 30. Ça vous fait prendre quelque chose. Inch'Allah. Vous allez m'aider. Inch'Allah. Maître, Moïse a dit. Si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous sept frères. Le premier se maria et mourut. Et, comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au septième. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des sept sera-t-elle? Donc la femme, car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Merci beaucoup. Hadja Ismaël, là. Voici le vrai problème. J'ai fait l'alerte, je ne comprends pas. Puisque le Saint-Coran me demande de croire à tous ces prophètes avec les livres. Mais je comprends encore que Jésus-Christ a dit qu'on sera au jour de la résurrection, on sera comme des anges. Alors, les anges ne mangent pas, ils ne consomment pas, ils ne parlent pas. Donc je ne comprends pas. Imam Oji, là où je comprends. D'accord, merci beaucoup. Non, déjà, nous, on connaît déjà votre question. Oui. Parce que
Parallèlement, le prophète dit, dans le Coran, il a enseigné qu'on aura des femmes au paradis. Par contre, dans la Bible, on dit à la résurrection, les hommes ne prendront ni des femmes, ni d'hommes. Étant donné que Jésus était un vrai prophète, comment il peut dire ça et que c'est contradictoire à ce qu'il est rassuré? Si vous regardez sur TikTok, vous allez voir que j'ai déjà répondu à cette question en vidéo. Inch'Allah. Voilà, et je continue, j'ai déjà aussi répondu, on a déjà répondu bien avant, 2 ans, 3 ans en arrière sur cette question. Inch'Allah. Voilà, mais on va réitérer encore ici. Là, vous aurez l'argument nécessaire pour pouvoir vous défendre au cas où quelqu'un vient lever cette ambiguïté-là. Inch'Allah. Très bien. On va relire le texte juste à partir du verset. La dernière phrase là, la résurrection. À la résurrection. Vous allez voir ici, Jésus ici, il a dit quelque chose. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle des personnes qu'on aura au paradis. En réalité, Allah il nous parle du paradis. Oui. Il précise bien au paradis. Oui. Très bien. Vas-y. Car à la résurrection. À la résurrection. Les hommes ne prendront point de femmes. Les hommes ne prendront point de femmes. Ni la femme de mari. Ouais, imam, il y a un mot ici que vous avez sauté, mais vous n'avez pas beaucoup fait attention. Oui, vas-y. C'est le mot à la résurrection. Exactement. À la résurrection, en arabe, on peut dire Yalou Kiyama. Oui. C'est pas Jannat al-Firdaus. Attaque Birnam, oui. Merci, oui. Résurrection n'est pas destination. C'est à la résurrection que la résurrection est un état qu'on doit franchir. On franchit la résurrection. On comparaît devant le tribunal. Et c'est en ce moment, Dieu maintenant nous juge. Soit il nous envoie au paradis ou en enfer. Donc la résurrection, ce n'est pas un lieu. C'est un moment, c'est un temps. Là-bas, là, il n'y a pas femme, il n'y a pas enfant. Non. Là-bas, Jésus a raison. Jésus dit à la résurrection. Les hommes ne prendront ni des femmes, ni d'hommes. Il a raison. Parce qu'à la résurrection, on ne prend pas de femmes là-bas. Et même dans le Coran, là, il dit, ce jour-là même, là, même les pères vont fuir des fils, les enfants aussi vont fuir les pères. Et chacun va aller rendre compte de ses actions. Donc, là-bas, là, il dit, il n'aura pas de parenté. Donc, il n'aura pas d'hommes là-bas, il n'aura pas de femmes à prendre là-bas, parce qu'on est à la résurrection. La résurrection, ce n'est pas un lieu. Allah. Mais par contre, quand le Coran parle des femmes dans le paradis, c'est un lieu. Maintenant, concernant le paradis, qu'est-ce que Jésus dit du paradis? Jésus dit dans la Bible qu'au paradis, là, ils seront assis à table avec Abraham, Isaac et Jacob et ils vont manger à table. Oui. S'ils seront comme des esprits, est-ce que les esprits mangent? Les esprits ne mangent pas. Maintenant, table, là, ça fait qu'au paradis. Imam, je vais ajouter pour moi, Inch'Allah. Matthieu 19, 29. Non. Jésus parle maintenant. Moussa, allez, Rasoul Salam dit 70. On va voir combien Jésus a dit au paradis. Allons-y. Matthieu 19, 29. Matthieu 19, le verset 29. Allons-y. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom. Jésus dit, quiconque va quitter à cause de mon nom, ses frères. Et tu abandonnes tous tes frères à cause de mon nom. Ou ses soeurs. Tu vas laisser toutes tes soeurs à cause de moi, mon nom. Ou son père. Tu laisses tes parents à cause de moi, Jésus. Ou sa mère. Ou sa mère. Ou sa femme. Ou sa femme. Ou ses enfants. Ou encore tes enfants. Si tu abandonnais tout cela à cause de moi. Ou ses terres. Ou encore tes terres, ton champ, tout cela. Ou ses maisons. Ou tes maisons. Tu recevras le centuple. Tu vas recevoir le centuple. On dit moussole, quand on dit centuple de femmes, là, c'est combien? Ah, ça dit qu'il y a un signorement kémé. Voilà, signorement kémé, il va le sur quoi? Ça dit qu'il y a un bête, qu'il y a l'année là, qu'il y a un bonheur, qu'il y a un bonheur, qu'il y a un bonheur, qu'il y a un bonheur kémé. Il y a un moussole, il y a un bonheur kémé. Il y a un bonheur, il y a un bonheur kémé. Rassure, c'est un salam, il y a un bonheur kémé. Allah Akbar. Et toi, il y a un verset que je suis en train de chercher. Ils vont trouver le verset, ils vont vous donner, c'est dans Matthieu. Jésus dit, oui. Et maintenant je ne boirai plus le vin du fruit de cette vigne. Oui. Jusqu'au jour où je serai avec mon père dans le royaume de mon père, hein? Où en vous et moi. Voilà, Matthieu 26, 29, merci. Regardez bien ce que Jésus va dire. Inch'Allah. Ils disent que là-bas, là, on sera comme des anges. Oui. On ne prend pas homme, on ne prend pas femme. Oui. Mais Jésus déjà a déjà matérialisé le paradis parce qu'il dit là-bas, on sera à table. Si on sera à table, ça veut dire on va manger. Exactement. La question qu'il me pose, c'est qui prépare? Matthieu 26, verset 29. Vas-y, frère.
Je vous le dis. Je le dis, je vous le dis. Je ne boirai plus désormais. Je ne boirai plus désormais.